Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur la nouvelle map Matariki Park sur Way of the Enter, les amis. On est toujours sur l'accès anticipé. Voilà. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai toujours le jeu n'est pas sorti, quoi, en gros. Par contre, les vidéos. Mais tu vas la fermer ta mouille, toi. J'étais en train de dire oui, et les autres vidéos, par contre, vont arriver avec la version complète. Hein. Le jeu sera sorti hein, quand je ferai les autres vidéos sur le mode histoire. Mais là, la première, c'est toujours avec le mode. C'est toujours avec l'accès anticipé, quoi. Et bien, du coup, on va attaquer, les amis. Écoutez. Bande de chien, mais il va me laisser parler là, derrière là. Non, mais dis donc. Et ben on va y aller tout de suite. Qu'est-ce que ça dit? Oh. Bon, on va commencer. Et on va voir ce que ça donne par rapport à l'histoire de Tikamoon Plain. Voilà. J'avais. Elle était sympathique, mais bon, elle est un peu courte, je trouve. C'est parti, boire. Un guy maori de terre. Nager dans la piscine, un gîte de luxe où on séjourne gratuitement. La vie est belle quand on s'y attend le moins. Je ne m'attends pas qu'à plusieurs semaines de relaxation et de chasse. Oui. Who could that be? Ah. River Knox here. Hello there. I see you're enjoying the pool already. You can see? Sorry, who is this? Let me introduce myself. I'm Andy. Je suis Andy. The security system notified me that you'd arrived, and I had some cameras set up, so I just took a peek. Wait, you are the Andy? The one and only. I can't believe it. The author of Tiny Stars in a Wolf-Eyed Sky is talking to me? I can't believe your grandfather had the nerve to reveal my real name. Wait, he did tell me that the owner of the lodge is the author, but never mentioned your name. Alors là, he said you wouldn't be here anyway. Il est sous-titré ça. Là, les personnages, on retrouve le personnage principal du début du jeu. Fan, on n'a pas un personnage dédié à cette map, you know, pas comme dans Tikamoon Plain. Never meet your heroes. Ben, pour l'instant. Technically, we haven't met yet. Well, here's the thing, dear biggest fan. Oui. Your grandfather contacted je peux pas entrer dans la baraque. To make an arrangement that involves another c'est guest belle. Who should be coming soon. Imagine my surprise. I can imagine. I had no idea somebody else was coming. Oui, who's aussi, j'espère que dans ce mode histoire, les conversations ne vont pas durer. Qu'elles vont pas durer une heure, hein, parce que je trouve que les discussions dans le mode histoire de Tikamoon Plain étaient très 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 longues pour pas dire grand chose. Voilà, je vois que c'est à peu près pareil pour l'instant. Eh oui. Can't I throw a party for you instead? Bon, ça va durer combien de temps cette affaire? Je vois que c'est pareil. Hein. Les conversations durent 40 milliards d'années. Moi, j'exagère, mais. You don't have to ask me twice. And I almost forgot. Welcome to Matariki Park. Ah, quand même, c'est pas trop tôt. Trouvez le mot dans la cuisine. Oui, moi dans la cuisine. On a mon joli céréalaf. Ah, il est là le mot. Le mot est là. Alors, Lia. Bienvenue au gîte d'Andy. J'espère que vous plairez ici. J'ai entendu dire par votre grand-père que vous travaillez trop. Et voilà, comme il résout le problème. Comment il résout le problème, j'irai pas parler. En vous offrant le meilleur endroit et le meilleur moment pour recharger vos batteries. Et en bonne compagnie, c'est encore mieux. Quelqu'un d'autre arrivera bientôt pour séjourner ici. Pour bien commencer, voici une idée. La nourriture et les boissons ont meilleur goût quand on les prépare soi-même, n'est-ce pas? Les ingrédients sont presque tout à disposition, il n'en manque qu'un. De la viande de tar de l'Himalaya. Ah, on va chasser un tar de l'Himalaya. Le lieu est indiqué à la page suivante. N'oubliez pas de vous occuper des décorations, elles se trouvent dans la boîte. Bon
séjour indien. Ah, il doit falloir chasser un tard de l'Himalaya. Cool. Du coup, oui. L'assistant signed it in the name of the owner. Intéressant. Intéressant. Prélever un tard de l'Himalaya. Ouais. Et est-ce qu'il y a une zone spécifique? Ouais, il y a une zone. Ben, en plus, regardez. On va aller là-bas. On va aller là-bas et on va chasser un tartare. Ça c'est des missions secondaires, ça. Ça, c'est des missions. Voilà. Mais je vais me concentrer sur les missions de l'histoire. Hein. Vous m'avez compris. Hein. Du coup, oui, ça dit que c'est dans cette zone qu'il y a potentiellement des tars. Ah ben, ça n'est pas ça? Ah non, c'est les Chef Marron, ça. Ok. Chef Marron. D'accord. Ben, ce qu'on va faire, on va... Merde. On va grimper tout là-haut, dans la montagne. Même si je fais peur aux chèvres, c'est pas grave. Parce que les chèvres marron, on s'en fiche. C'est les tares qui me faut. Et barrez-vous. Barrez-vous. Bon, déjà, la première mission, c'est une mission de chasse. Moi, ok, déjà bon, il faut essayer de trouver un tar dans cette zone. Ce qui est bien, c'est qu'ils mettent une zone où trouver l'animal, quoi. Ça donne déjà une bonne indication. Ah, qu'est-ce qu'on a là-bas? Chez Marron, toujours. Il faut prélever n'importe quel, que ce soit un mâle ou une femelle, peu importe. Regardez les paysages qu'on a là. Là c'est des zones. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est les chèvres. Là, on a des zones très, très, très ouvertes. Hein. Semi-désertiques, quoi. C'est quoi ça? C'est les chameaux, ça? Il y a tout sauf des tars de l'Himalaya. Hein. D'accord, ouais. Chamois d'or. Bon, on va continuer. Alors, on a un petit troupeau de tars de l'Himalaya, là. Ouais. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est des chèvres marron. Ça, on a des... Ah. Ouh. On a un joli trophée, là. Il est où? Un 3 étoiles AG. Oh, mais je vais pas prélever celui-là, quand même. Il a 170 mètres. Ouais, d'accord. C'est quoi? Non, ça, c'est les chèvres, on s'en fout. C'est ça qui m'intéresse. Elles sont pas excessivement loin. Ah non, mais c'est une chèvre marron, ça. Attendez, mais... Ah non, mais je suis bête, moi, n'importe quoi. Oui, parce qu'il y a des chèvres marron ici et ici, et il y a les tars de l'Himalaya qui sont juste là. Ok, d'accord. Je pourrais me faire la femelle, là, qui est là. Ça serait plutôt intéressant. Ouais. Mais non, mais... Bouge pas. Arrête de bouger. Oui, quand tu veux. Hein. Bon. Là, elle fait du... Je sais pas ce qu'elle fait, là, mais... Tiens, il m'a fait chier là, j'ai pris au pif. Et oh, c'est bon. Regardez, il y a un bon troupeau là. Je vais me lever. Bah, je peux courir. Hein. Il fallait... Non, du chien, mais il y a le paquet là. Hein.
Oulala! Et lui, il bouge pas là? Il y avait du people là. Deux étoiles âgées. Là-bas, on a des chameaux. Ah ouais, mais. On a du monde hein, dans le coin là. Iceberg, même. J'allais dire enfin. À une balle, je l'ai séché net. Hein. Un petit tard. Pas mal ça, en plein cœur. Ah bah je l'ai mis en plein cœur. Hein. Là, je peux pas mieux. Classement de chasse, ouais, mais. Franchement, ouais, je lui ai enlevé que ça. Non, non, mais c'est nickel. Hein. Et les... Par contre, il faut le vendre, c'est ça? Voilà, prélever un tas d'Himalaya. J'ai la viande. Voulez-vous que je vous. Félicite. No, I mean, je vous ai imaginé I imagine autrement. You'd be different. You imagined a wise old man. It sounds terrible to admit, but yeah, sorta. Ouais. Your descriptions are always so vivid. Makes me think you've been through a lot. Who says I haven't? I'm not saying that. I'm just surprised. Well, that's not the worst. On a une belle vue là, hein? Regardez. Why did your grandfather send you to the opposite side of the globe? Franchement, he probably thought I was overworked and needed a break. And were you? Maybe, but not anymore. I'm as fresh as ever. Can you keep a secret? Ça parle beaucoup pour rien dire, je pense. Hein? J'ai l'impression. C'est quoi? Seems only fair. I want to leave Bear Den Ranch and open a restaurant. That's it? Hey, it's been lying heavy on me for the past 2 months. Get to work, River. She said my name. Bon. Alors, où c'est qu'il faut aller? Il faut retourner à la... Non? Il fallait où? Prendre les décorations. Oui, il fallait prendre où les décorations? Les décorations. Ben, je veux bien prendre tes décorations, mais il fallait prendre où? Ici? Retourne à la loge? Principale ou pas? Ouais, mais c'est ça. C'est tout à fait ça. Tac. Bon, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Ça doit être ça. Ok. Préparer la décoration 0 sur 4. D'accord. Ouais. Oui. Alors, ah. Ouais. Ok, I think this is more than enough. Alors, qu'est-ce que ça dit maintenant? Lire les instructions du livre de recettes pour préparer un Maori angry. Ok. Ramasser des pierres volcaniques pour le hangi, inutile de le faire, je vous les ai déjà préparés. Ramasser du bois dur pour déjà préparer, je ne voulais pas vous décourager avec toutes ces instructions. Creuser une fosse un peu plus grande que le panier dans lequel vous préparez la nourriture, bien deviner. Empiler le bois, allumer le bois du feu et laisser brûler. Préparer la viande, les légumes, blablabla. De 5 étoiles et d'autres. Vous lirez de votre côté. Ah, je vous fais défiler. Si ça vous intéresse, au bout de 3 heures avec la terre. Ok, apportez de la cuisine le plateau de nourriture plein de viande. Ah, bah, elle est bien. Ah, par contre, la viande, elle est bien faite. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. C'est. Ouais. Ça donne faim, dis donc. Allumez un feu et le laissez brûler. Ah là, on prépare, on fait de la cuisine avec le tar qu'on a prélevé. C'est plutôt stylé. Ça m'a l'air d'être pas trop mal. Allumé. Ok. Mettre la pile de roche en terre.
La pile de... Ah, je l'ai vu. Ah ouais, d'accord. C'est une cuisson sous la terre. Enfin... Avec les pierres chaudes. À mon avis, ça doit être ça. Je pense. Ça doit cuire... Accueillir le convive. Je félicite, que pensez-vous du hangri? Definitely hard to prepare. Couldn't have done it without you. Without me? That was probably my assistants doing. Me? I think they're already here. What? Qu'est-ce donc, c'est quoi ce verre? Ah mais c'est... Ah mais d'accord. What a mess and for nothing. Must have been the wind. D'accord. Bon ben, Jackie Makovic. Qu'est-ce que vous avez? Qui est? Nouvelle mission ajoutée. Comment ça se fait que j'ai atterri ici, moi? Bon, bref. Rendez-vous au phare et trouvez le distributeur de timbres. Ça fait partie de la mission principale, là? À mon avis, oui. Oui, d'accord. Wow, slow down, cowboy! I can't believe you're the mystery guest. What? Surprise? Oh man, I was really worried my grandfather was coming. Why? Je suis une femme maintenant. It's a long story. Anyway, I haven't seen you in a year. We have a lot of catching up to do. Ah, mais... Just maybe give me a minute. I feel like part of me is still on that flight. Need to get myself together. En fait, on contrôle pas qu'un seul personnage, on contrôle plusieurs personnages, hein. C'est intéressant ça. C'est plutôt intéressant. Nina with the weird new hobby. Je trouve. Talking behind my back. Ouais, bah à mon avis c'est ça. Collecting stamps. Isn't that an old man's hobby? You're an old man's hobby. On doit contrôler, à mon avis on contrôle plusieurs personnages dans le mode histoire. Ok. Bon. Laissez-moi vérifier ça quand même. Objectif histoire, ouais c'est ça. J'ai fait celle-là. Et maintenant, je suis le fantôme de Matariki. Ah, d'accord, on contrôle pas que qu'un seul personnage. Ok. Ça, c'est différent de, des autres modes histoire des précédentes parts, quoi. D'accord. Ah bon, on a des bestioles là-bas. Rendez-vous fin. Oui. Ok. Matariki Park. Welcome to the collection. Bienvenue dans la collection. Ah oui, parce que en fait, sur la map, il y a plusieurs distributeurs de timbres. Examinez la note tombée. Bien. Assassine, retourne d'où tu viens. Voilà le résultat quand une femme fait un travail d'homme. D'accord, c'est ok. Ok. J'ai dû l'emporter sans faire attention. I guess the hate followed me to another continent. No. Nothing will ruin my vacation. I should turn it into a song. Nothing will ruin my vacation. Okay. Oh God. I should go to sleep. Ok. Délectez-vous de la vue autour du fer. Mais oui. C'est joli. C'est très joli. Non mais c'est joli, hein. Regardez. Le bord de la mer. Beau. Ah merde, il fallait voir. Quel couillon. Faut que j'aille où en bas là? Ah. Ah, il fallait là.
petite cinématique. Oh, il... Ah, regardez! Un Cérélaf albinos, enfin, j'imagine. Il est tout blanc. Oh, oh. Wow. Le fantôme de Matariki. River... Ah, on repasse à River Knox. Ok. Répondez à l'appel de Jackie. Didn't you want to go to sleep? Sleep is for the weak. I just saw a white red deer with the biggest rack you could imagine. Le plus gros bois que j'ai jamais vu. What? Ah, c'est pas mal ça. On passe d'un personnage à l'autre et ils se parlent. That's the local legend ghost. I can't believe you saw him before me. You only just arrived. Others spend months, years even, trying to catch a glimpse. He's supposed to bring luck to those who spot him. And sorry for making fun of your stamps. It's pretty cool, as hobbies go. I've heard there's some sort of local tourist attraction where you can collect hidden stamps. Yeah, I looked into it before I came up here. I already collected one. I'll keep an eye out and pick them up if I see them. Thank you, River. So sleep is for the weak. Oh, shush, that was just the adrenaline talking. See you after my beauty sleep. 7 days minimum. Ok. Consultez le livre de recettes pour y trouver l'inspiration pour votre prochain plat. Et à mon avis, il va falloir chasser notre bestiole, non? I assume the mystery guest was a success? Yeah, Jackie's probably the ah, par contre, ça parle beaucoup. Oh, glad to hear it. She's crashing at one of the cabins far from the lodge and wants oui, to sleep straight away. If you don't want to get out si of shape, éviter de perdre I la forme, have a suggestion. J'ai une solution pour vous. Would you kindly deliver pouvez-vous something for quelque chose pour it's moi? Not ce n'est me, pas de la viande, I'm je travaille avec les bois. Antler business? I make chandeliers out of them. And I've heard there's a herd of sambar deer with beautiful black antlers. I must get my hands on them. So you write and create chandeliers as a side hustle. Another unexpected fun fact about your favorite author. Actually, okay. Not that unexpected. I always thought you had some hunting experience. That short story of yours where the antlers start to grow out of the old man's body? The description of the antler's structure, the way they merge with the human bones, the level of detail is insane. Well, thank you. My number one fan. Can I send you the location? I'll even throw vous in some manuka miel... honey to sweeten the deal. Manuka? Isn't that like the gold dust of the honey world? I'm in. Great. I'll send you the location. Nous avons la localisation. I can already picture the slow roasted venison meat glazed in honey. Alors, ça dit d'aller où prélever un sambar au bois noir dans la zone en surbrillant sur la carte. Ah, un sambar au bois noir. Ah bon. Ok. Un sambar au bois noir. Ouais. Ok, d'accord. Ce qu'on va faire, on va se téléporter ici. Et on va essayer de chasser ce petit sambar. Ce petit sambar qui se trouve. Qui devrait se trouver là-bas. Logiquement. Ce qu'on va faire, on va faire le tour du lac. Un sambar au bois noir. Ça, à mon avis, ça doit, il doit se différencier par rapport aux autres, hein. Enfin, je pense. J'imagine. Ben, voilà, on va aller dans cette zone là-bas. Et pour l'instant, bon, malgré que ça parle beaucoup, mais ça s'enchaîne assez vite hein, quand même. Hein. Je veux dire, là, on passe d'un personnage à l'autre, ce qui est vraiment pas mal. Ça change des autres modes d'histoire, des autres maps. Intéressant. Ce qui est plutôt intéressant, quand même. Bon, je vais jusqu'à là-bas, les amis.
Alors, comment ça se fait que ces sambars aient des peaux noires? Non, c'est sûr, résulte d'une interaction chimique entre le sang du sambar et de la sève. Son velours contient une quantité considérable de sang quand de longtemps il reste du sang sur l'os. How come you know more than I do about this? If it makes you more comfortable, I'll let you pretend I'm a wise old man. Si j'étais un vieil homme sage. Can't do it anymore. La peine garée, on s'en fout. Alors du coup, maintenant, il faut que je trouve un sambar avec les bois noirs. Mais, où c'est qu'il est? Est-ce qu'il est dans les parages? Logiquement, il doit être dans cette zone. Dans ce rayon. On devrait le trouver, logiquement. Normalement, oui. Hein. Mais. Voilà, on va continuer. On va s'avancer un peu. Voilà, c'est une zone assez claire encore, ça va. C'est une zone assez claire, logiquement. On devrait le trouver. Enfin, j'espère. Je vais pas tourner en rond pendant 8 jours. Hein. C'est quoi qui passait là? Séracle blanche. Ça ne m'intéresse pas, le séracle blanche. Ah. Oui. Qui c'est? Bon, on va continuer, on va essayer de descendre un peu. Bon. Ah, c'est quoi? Non, j'ai éclore quelque chose, mais maintenant. Il y a quelque chose qui est passé là. Oui. Sambar. Ah. Bon. Alors par contre, pour le trouver maintenant, séracle blanche, on s'en fout. Ça m'intéresse pas les séracles blanches. Il devrait bien y en avoir dans le coin normalement, enfin, j'espère. Où c'est qu'il pourrait être? Non, c'est sanglier. Alors on va essayer de repartir un peu de là-bas. Ok. Ah. Non, ça c'est sérieux que blanche. Sans barre mal calme. Ah, il doit être là. Il doit être ici. On va s'accroupir. On va s'accroupir et il est à moins de 100 mètres. Enfin, il a entre 100 et 120 mètres. Donc du coup, problème c'est qu'il n'y a pas d'appo ça pour le sambar. Enfin, il me semble pas. Hein. J'espère qu'il se barre pas. C'est pareil? Oh mais non. Tu vas pas me dire qu'il s'est barré. Ben si. Ah, il y en a un là-bas. Oui, mais c'est lequel? Oh là 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 là, ils se sont barrés. Ouais, mais j'étais pas loin, j'ai pas fait de bruit pourtant. Oh là là. Ouais, mais le problème, c'est que si je vais là-bas, ils auront quitté la zone.
Toi, j'étais accroupi, hein. Ouais, mais ils étaient à moins de 100 mètres et je les voyais pas. Hein. Donc bon. J'ai essayé de monter un petit peu plus haut. Mais j'espère qu'il a pas quitté la zone. Hein. Parce que... Après, même si on le... Après, ça donne une indication... ça donne une indication à peu près où c'est qu'il est. Mais même si c'est en dehors de la zone, à mon avis, ça devrait passer. Enfin, j'espère. Parce que bon... Où c'est qu'ils sont partis? Par contre... Où c'est qu'il serait parti? Parce que là, je suis en train de quitter la zone. Ouais. Ah, mais ils sont là-bas. Ah ouais, non, mais ça va pas le faire. C'est quoi? C'est pas des sambars, ça? Non, ça, c'est serré que blanche. C'est quoi, ce verre? Il m'a fait peur, lui. Il est fou, lui. On se calme. On se calme, on se calme. Ah, 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 là-bas. C'est quoi ça? Sambar. Ah, mais est-ce qu'il y est dans le lot? Ouais, d'accord. Est-ce qu'il y est dans le lot? On a quitté la zone. Hein. Bah, j'espère que ça. Si c'est lui que je le prélève, c'est... J'espère que ça va accepter le... Voilà, quoi. Je suis pas si sûr, moi. On va essayer. Ah, il y en a là-bas. Ouais, non, mais... D'accord, oui, mais... Attendez. C'est compliqué, hein, les amis. Où c'est qu'ils sont? Parce que là, j'ai bien quitté la zone, hein. Ah, où c'est qu'ils sont, ceux que j'ai vu tout à l'heure là? Ah, allez là! C'est lui, c'est lui! Bah, je pense. Bon, on va aller voir ça. C'était un 5 étoiles. À mon avis, Sambar au bois noir, ouais, c'est un joli trophée, je pense. Hein. Ça peut être que lui. Hein. Ouais, je pense. Mais bon, le problème, comme il a quitté la zone, j'ai peur que ça me le prenne pas en compte. C'est ça que j'ai peur, en fait. Et si ça me le prend pas en compte, ben, c'est... Voilà, quoi. C'est ballot. On va aller voir si je l'ai bien touché. Il y a une tache de sang là. Il y a beaucoup de sang en haut, mais il doit pas être bien loin. Hein. Bah, à mon avis, il est pas loin le coco. Où c'est qu'il est? Où c'est qu'il est? Ah, il est là. Ah, oh, non. Non, mais t'es pas sérieux. Il est incroyable, lui. M'a pas... Ah, là, il doit être mort, j'espère. J'espère qu'il est mort, hein, parce que... Oh. C'est bon ou pas? Ah, c'est bon. Vous voyez, il s'est relevé, hein, quand même. Hein. Salopard. Un joli petit sambar. Regardez comme il est, comme il est beau. Joli, hein. À mon avis, c'est lui, hein.
Bois noir. Mais il a les bois noirs, oui, mais enfin bon, je sais pas. Ça va. Bon, on va ramasser, on va voir si c'est bien celui-là. Attendez. Classement de trophée 5 étoiles. Bon, je lui ai mis 2 balles, mon classement de chasse, voilà. Ouais. Et il faut faire quoi? Il faut le vendre ou il faut l'empailler? Mais je sais pas en fait. Prélever un sambar au bois noir dans la zone en surbrillance sur la carte de chasse. Oui, non, mais d'accord, prélever, mais est-ce qu'il faut le vendre? Ou le taxi, ou le. Je sais pas s'il faut le vendre ou s'il faut l'empailler. C'est ça en fait. Si j'empaille, ça fait quoi? Ah, mais ça a marché. Got him. Bon, bah, nickel. Very nice rack. Please deliver it back to Nickel. the lodge. Comme ça, moi, j'ai pu le And your garder. J'aurais pu friend, le vendre aussi, hein. Jackie. Is she Bah, c'est some sort parfait, of ça l'a pris en police compte. officer? Ça, c'est cool, Jackie? ça. She's a wildlife trooper. Cool. How do you two know each other? Cool, cool, cool. It's a story I'm technically Rapportez les bois forbidden au to tell, gîte. but On va attendre qu'ils finissent she and her friend got lost in Nez Perce Valley, de and I sort discuter. of rescued them. It wasn't a big deal. They're both wildlife troopers, so they were embarrassed to death about getting lost. But it was a stormy night, and could have happened to anybody. Bon, ok, un troupeau de je sais pas Still, quoi. don't tell Jackie I told you. Don't worry. Tac. Bon, bah, c'est parfait ça. On va retourner au gîte. Ah, le gîte il est là. Voilà. Bon, bah, ça c'est nickel. Ça l'a pris en compte, même que ça. Can you Quel. put it in the basement? This place has a basement? I'm not a big fan of basements. Are you a little boy afraid of the dark? Not the dark exactly. It... Et ça bat vachement. Ah non, c'est bon. Il fallait où là? Déposer les bois dans le congélateur au sous-sol du gîte Andy. On y va par où au sous-sol? Je veux bien aller au sous-sol, mais comment on fait pour y aller? Ah, d'accord. On peut mettre des trophées ici aussi. Ah, c'est pas mal ça. It's just a basement. D'accord. Ah ouais. Ok. Oh, Il y en a it's des. a basement with chandeliers. Ouais. Why do you have chandeliers down here? Just getting them ready for the clients. Nothing sinister. What did you expect? That I'd lock you up in there? No. But also, please don't. Maybe later. Pas très rassurant, ça dit donc. On va poser ça là-dedans. Tac. Voilà. Quitter le sous-sol. On va quitter le sous-sol. Voilà. Ah oui, mais ça repasse. Ah oui, non, mais d'accord. Ah oui, non, mais. Jackie Mac. Je sais pas quoi, là. Ça repasse à l'autre personnage. Ok. On a une petite cinématique. Bon, je vais laisser passer la cinématique, les amis. Oui. Oui. Un joli cerf-élaphe. Another nightmare with a Ah, deer. c'est encore un autre You personnage, c'est disappoint pas me, Rain. le. Better get ready. Ah. C'est encore un autre. Ok. Bon, bah, nous, les amis, on va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette première vidéo du mode histoire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Et ben nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo sur ce mode histoire. Mais là, ça sera avec la version universitaire, lui. Ça sera avec la version complète. Que le DLC sera sorti, parce que là, c'était avec l'accès anticipé. Voilà. Allez, les amis. Ciao, bye bye. Worms. That's why I'm not.